Et on est de retour. J'étais pas prêt. Le chariotement était un peu plus rapide que prévu. On est de retour. Ah, le drone. Je suis pas allé voir ce que ça faisait sur internet. Merde. J'ai complètement oublié. Alors, on doit faire notre mission. Construire une station radar pour localiser le gisement de titane. Ouais. Non, bouge pas, bouge pas. Ouais, très bien. Voilà, saloperie. Là, il y a une partie qu'on n'a pas découverte. Ouh. Oh. Il y a un truc qui allait dans le sol, là, on est d'accord. On va s'équiper, hop, hop, hop. Enfin, on va se préparer plutôt, c'est parti. Même pas besoin de tirer, c'est pas magnifique ça. Ça, je vois rien du tout. Oh non. Sérieux là? Bon bah on est reparti. Faut attendre que ça finisse de sauvegarder, charger, sauvegarde rapide, ouais. Non, ne regardez pas à l'heure à laquelle je joue, c'est pas bien. La dernière fois qu'on avait fait ça, ça avait fait tomber la boule de recharger la partie. Après la boule est grise, donc ça doit être un mode gris, c'est pas vraiment super important, mais... voilà, gain de points de vie par coup. Hey, gain de points de vie par coup, c'est pas mal ça. Bon. Ah! Toi aussi, va-t'en. Voilà. Alors, donc comme j'ai dit... Je voudrais faire un peu un tour là déjà. C'est quoi ces tours de drone? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les murs énergétiques. Ok, c'est intéressant. Il faudra vraiment aussi retourner dans notre biome principal pour augmenter le quartier général et tout ça. C'est vrai qu'on l'avait pas fait à cause d'un petit problème de lag. Donc il faudra faire ça. Donc on a notre mission, construire une station de radar. Donc il faut couvrir pas mal de zones. Bah tiens, bah là on peut faire notre camp. C'est grand ou là? Non, là c'est un peu plus vers le centre. Ah, très bien. Météore qui arrive. Ok, ça m'a l'air pas mal là. Carbonium, ça m'a l'air pas mal ici. En plus, il y a plein de plantes de glace. Donc, je pense qu'on va faire notre base ici. Ouais. Ouais. Alors. On va pas. On va en mettre deux. Pour construire vite, mais pas trop non plus. J'ai pas envie de... J'ai pas envie qu'on se fasse one shot non plus. Ouais, on a 262. Ouais, ça va, ça va. Bon, ça, il faut du titane pour le faire. Donc ça, on peut pas. Euh...
ça. Putain, c'est cool, on peut avoir les toiles niveau 3. Ok, très bien. Je regarde un peu les nouveautés qu'on a. De l'uranium, ça va, c'est bien. Donc oui, on est bloqué. Pour la puissance. Donc on est obligé de faire des trucs un peu normaux pour le moment. Ou alors des biocomposteurs et tout ça, mais on a quoi? On a... on a 9800... Ouais, 10 000 quoi, de plantes et 22 000 de viande. La viande... centrale de biomasse animale. C'est pas énorme, surtout qu'on n'a pas le niveau 3. Tiens, ça c'est un truc à faire, à mettre en niveau 3. Je vais voir un peu. Je suis sûr qu'on est en train de le faire quelque part, mais... Ouais. Ça pourrait peut-être aider. Je sais pas. C'est pas vraiment un truc que j'utilise vraiment. Alors, on va faire du classique. On va faire du classique. J'ai envie de dire, on peut peut-être mettre les 4 en fait. Ça devrait aller. On n'a pas besoin, encore une fois, de faire... du... Je sais pas si j'en mets là, ça va détruire la plante. Ça m'étonnerait quand même. Je sais pas. On n'a pas besoin de faire un avant-poste, en théorie. Et après, quand on aura un peu de titane, on pourra faire les machins qui utilisent le magma, là. Donc niveau courant, ça ira. C'est juste un peu le début qui va être relou, quoi. Merde. Non, ça va, il se réveille pas. Enfin, on devrait le défoncer quand même, non? Voilà. Ah non, c'est pas mort. Oh la vache. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu un peu trop tard. Voilà. Donc on va relier ça. Très bien. On est à 940K. Un peu de la merde, mais bon. Très bien, la biomasse niveau 3. On peut mettre... on peut voir un peu ce que ça donne. Ça fait quoi, du 400 d'énergie, et là c'est du 200. Ouais. Je sais pas trop, en fait, si c'est vraiment utile. Les ennemis décédés. Ouais, pourquoi pas. Alors, maintenant, on peut faire notre premier radar. Ok, nous avons construit la première radar station. Ce n'est pas facile de fournir assez de pouvoir dans ce biome. Ouais, je sais. L'atmosphère est très thick et c'est réduisant l'effectivité de wind et solar. Ouais, mais on a ça. Nous allons need a few additional radar stations to triangulate the position of the titanium deposit. Try to place them as far from each other as possible. They need to cover a wide area. There's an intense aurora in the sky. Prepare for an ion storm. It's going to disable a lot of equipment. Oh, ça tombe bien. Attends, attends. Ça tombe super bien, dis-moi. The ion storm has started. All sensors are down. A lot of our equipment has been disabled. We have to wait until the storm passes.
Oh, dépêche, 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 dépêche. Vas-y, vas-y, dépêche, dépêche. Finissez, finissez. Ah, bougez votre cul. Nickel. Ben j'avoue que c'est bien tombé. C'est juste pour défendre au cas où, parce que j'ai pas envie que ça pète. Vu qu'on a des bonnes réserves de courant là. Everything is getting back to normal. Thankfully, this didn't last long. Ah, on est niveau 3, ça y est. 1400 de vie, et là c'est du. Ben, c'est pareil. D'accord, donc les murs électriques sont mieux. Forme avancée du mur plutôt que de reposer sur une structure solide. Ce modèle utilise des rayons laser ultra puissants pour former une barrière. Mais est-ce qu'ils peuvent passer à travers? Je suis en train de me demander. Je suis en train de me demander s'ils peuvent passer à travers ou pas. Les monstres. Ah, c'est un truc à tester ça. On va devoir prendre un endroit et mettre que de ça en fait. Histoire de fermer un peu. En plus, ça éclaire et tout, quoi. C'est vraiment cool. Non, c'est sympa. Faut avoir des portails en ça. Bon, bref. Bon, niveau courant, ça s'est amélioré. C'est légèrement amélioré au niveau courant. Voilà, on est au max. Très bien, et on va mettre un téléporteur ici. Voilà, donc là on est bien. Maintenant, il veut qu'on en mette un peu partout. Ça marche pas, tu en as quel est là-bas. Ah, par contre, il nous faudrait. Enfin, on peut pas les faire encore. Les machins qui font du froid, là. Il faut du titane, ouais. Du coup. Bon, y a plein de plantes après partout, mais. Si j'en mets un là... Ouais non, on peut pas là. Oh. Alors... Ah, tu me fais chier. On peut peut-être aller là-haut d'abord. Ah non, non, on peut pas connecter en fait.
Ah merde, comment on fait? Pourquoi le machin il m'attaque comme ça? Ben je crois que je... Merde, pas corrosif. Je crois que je vais devoir en fait mettre des éoliennes. Et à côté un radar quoi. Non super. En fait j'aurais pu faire ça de... Beaucoup plus simple. Je fais de la merde. Les grenades vont beaucoup plus loin aussi. Donc par exemple, on peut en mettre un là. Du coup... Ça pompe combien d'électricité ça? 15, ça va. Voilà. On va aller vers le bas. Genre là, c'est pas mal là. Hop. Très bien. Qu'est-ce qu'il est gros? J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus gros que la moyenne, non? Ok, nickel. Oh, par contre... Ah ah! Très bien. Ok, là c'est pas mal. Ah putain, mais c'est sur du... Ouais. Sur du feu, ça va pas marcher. Le vent, il y en a toujours, hein, je crois. Ouais, à moins qu'il y ait une anomalie, mais il y en a toujours normalement. Il y a des bestioles là. Très bien. Ok. On est à 49 sur 50. Ah bah putain. La blague quoi. Bah ça va scanner automatiquement. Oh, oh, oh. Warning! I'm detecting an intense ion storm coming our way. Due to a recent coronal mass ejection,
on Galatea's sun. It may disable some of our equipment. Putain, j'arrive pas à toucher le truc parce qu'il y a trop de cailloux en fait. Voilà. This ion storm is really intense. It disabled a lot of equipment. We have to wait it off. Et on est bon. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Ashray, we've constructed enough radar stations to locate the titanium deposit. I am marking its approximate position on our map. Excellent. Let's go there and search for it with the geoscanner. On va attendre que la... que ça revienne quoi là. La map. Oh putain, y a un... Everything is getting back to normal. Y a un ADN là-haut. Thankfully, this doesn't last long. Pas grave. Oh. T'es sérieux là? Oh la blague. La blague. Ah merde, c'est par là. C'est ça? Non. Oh mon dieu. Super, en plus ça a enlevé le... le froid quoi. Nickel, nickel. Fait chier. Donc c'est pas ça du tout. Du titane, yes. Waouh. Trop bien. Trop bien, c'est tombé et tout. It is enough to provide data for the orbital scanner. Ah voilà. Eh, scan. Okay, let's qu'on se casse d'ici. Orbital scanning procedure. We have to find more titanium. Orbital scanning in progress. Searching for traces of titanium within the planet's volcanic zone. This will take some time to complete. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais. C'est bon, on peut se casser. Très bien. Research completed. Très bien, donc ça c'est fini, pas besoin de rester, donc le nouveau c'est là, au pays du Titan, dans une zone de haute activité volcanique. Là c'est du élevé, donc ça va être là. Nous, on est, nous c'était élevé aussi, là, l'autre zone. Non, quartier général, vallée métallique. Non, non, ça c'est vallée DLC, on va pas la prendre en compte. Mais bon, c'est une bonne zone pour le cobalt, normalement le cobalt ça c'est dans des zones tropicales. Ouais. Normalement, on aurait dû prendre le cobalt dans la zone tropicale. Là, on l'a fait dans la vallée métallique. La vallée métallique qui est... Ouais, en fait, comme j'ai dit, hein, la vallée métallique, la première qu'on a faite, elle, on devrait pas la faire. On n'aurait pas dû la faire, en fait. On n'aurait pas dû faire un avant-poste. Parce que c'était une mission. On aurait dû faire tout simplement la mission. Et après, ça va être la vraie zone. La grosse zone avec, avec la menace élevée. Mais bon, la différence c'est qu'il y a beaucoup de cobalt, c'est en moyen, alors que là à chaque fois c'était en bas. Bon bah du coup on va récupérer, je dirais pourquoi pas, on récupère le titane, ça va nous permettre de débloquer des choses.
Par contre, avant de partir, je veux voir si on est bien équipé. Ouais, non, c'est les trucs que je mettais là, 40, 40 PC, 45 PC. Portée du radar et tout. Ouais, ouais, on est bon, hein. on est bon. Est-ce qu'il n'y a pas des armes qu'on peut crafter là? On commence à avoir un peu des armes de merde, non? Enfin, si on veut vraiment être efficace, faudrait de la zénith. Pour ça, sinon on a quoi? La zénith. Ah, on a le plasma lourd qui va, qui fait un bouclier là. Non, ça on s'en fout. Blaster, on s'en fout. Oh, on peut continuer à jouer avec ces armes là. Mais c'est vrai qu'en théorie, on devrait plutôt passer sur de la zénith. Parce que le titane, c'est pour. Ben, le titane, en fait, c'est pour les bâtiments, je crois. Ça serait pour quoi le titane? Uranium. Cobalt. Titane, ouais, titane. Tour de lance-flamme. Titane, minigun. Uranium. Titane. Ouais, titane, c'est plutôt pour les bâtiments. Je dirais. Uranium. Ouais, on verra. Ils sont en train de bouffer les plantes, je crois, non? Qu'est-ce qu'ils font? Bouffer les cristaux. Ah, je crois qu'ils bouffent des cristaux, en fait. Ouais, ils bouffent les cristaux. Je sais pas. Ah, ça m'embête, ça. Parce que je voudrais bien faire des nouvelles armes, mais ouais, des nouvelles armes, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Azénith. C'est quoi, l'azénith? Concentration d'azénith. Bon, à la limite, on peut faire les missions, les zones mission, vous voyez? Pas où les zones où on doit se poster et faire un avant-poste, en fait. Ouais, on va faire ça, allez. On va faire concentration d'azénith. Comme ça, on débloquera ça aussi. De toute façon, il faudra le faire un jour ou l'autre. Hein, mais... Donc ça, c'est le même biome de notre quartier général. Donc, voilà. On va pas être trop dépaysé. Ça va pas être très compliqué, en fait. Successful. This area is very rich in hazenite. My scans have indicated an especially large deposit near our position. I recommend we go there first. A lot of the flora that grows here contains hazenite. Many Galatean plants have adapted to crystallize various minerals. Ouais, je crois que ça c'est. Some fauna species feed directly on these minerals. It's a fascinating. Ces plantes-là, c'est de la zénith. Et je crois que dans les biomes, en fait, comme ça, là, de... Comment ils appellent ça? J'ai oublié, déjà. Les zones tropicales. Je crois que c'est là où on peut récupérer énormément de différentes plantes, en fait. Pour pouvoir, après, faire des cultivations de plantes. Ah, super, ça a fait disparaître l'arbre. Yo. Ah, par contre, un truc qu'on peut enlever, c'est ça, l'inifugé, là. Du coup, on faudrait quoi? Mettre des plaques de blindage? Enfin, l'inifugé, il est pas mal, au final. Faudrait qu'on fasse... Pour les zones tropicales, faudrait qu'on ait du blindage normal, en fait.
Ouais, du blindage comme ça. Crafting completed. Crafting completed. Crafting completed. Crafting completed. Je voudrais 3 blindages. Plaque de blindage avec du. Crafting completed. Crafting completed. Crafting completed. Du PCF. Crafting completed. Crafting completed. Crafting completed. Crafting completed. Ça va être relou. Je sais, c'est relou, désolé, mais bon. Résistance zone. Je sais même pas ce que c'est, résistance zone. Allez, 2, encore un. Crafting completed. Crafting completed. Voilà, nickel. C'est quoi la différence? Ouais, physique, résistance physique, ça c'est bien, ça pour aussi. Est-ce qu'on peut voir l'inventaire direct? Parce qu'ils disent inventaire, mais... Donc, attendez, je vais tester un truc. Ouais, d'accord, ok. Je pensais que c'était une autre façon de montrer l'inventaire, mais non. Oh mon dieu, je vais devoir descendre à chaque fois. Oh là là. Puis après, vous imaginez que quand on aura la version violette, faudra faire pareil. Quand on aura la version rouge, faudra faire pareil. Etc. Etc. Ça va être le fun. Hein. Après, je serais pas contre, parce que là on en met 3 à chaque fois et on garde le truc du drone là, parce que c'est du violet pour l'instant. Mais 3 c'est bien, puis après le 4ème, je voudrais bien un truc pour augmenter notre vitesse. Parce que c'est vrai que quand on est en construction, là quand on a 4 les machineries, le fait de courir super vite c'est quand même vachement sympa. Hein. Mais ouais, il faudrait la même mais pour le combat en fait. Tous crevés. Il y a un truc. Non. Ça va pas me faire chier. Là, on est en bordure de map, je crois. Plante. Yay. C'est quoi ça? Ah, toi! Ah ouais, d'accord. Ah, la map, elle était pas centrée, en fait. Que je voulais dire aussi. Vous savez, on a utilisé les bio, le générateur là par la biomasse, on a utilisé un peu de viande là. Et ça, je crois que le problème, si vous en mettez un. Merde. Sur un.
Sur un des biomes, et que vous partez, que vous laissez un avant-poste, là. Je crois que ça continue à pomper, en fait, de la biomasse. Genre que ça soit des plantes ou de la viande, là. Et je crois que ça s'arrête pas, donc ça c'est un peu embêtant, par contre. Lâche-moi. Ouh, sentinelle foudroyante. Ah, tu vois un peu. Sentinelle foudroyante. Ah oui, mais c'est ce qu'on a. Mais en rouge. Oui, je sais pas, dans ma tête, je pensais que c'était un drone. Désolé. 1300 points de vie. C'est le père C4. Yeah, putain, on a du rouge, hein. Là, on a du bon rouge. Là, c'est bien. On a tout au max, là. Pour les pros, les premiers, on a la vie au max, la grenade au max, la tourelle bioscan au max, la tourelle foudroyante au max, et la mine frag... la mine... Oh... Bon bah, tout, vous crevez tous. La mine gravitationnelle au max. C'est vrai qu'il met un peu de temps à crever. Très content là de ce qu'on a. The rain is over. Doing. Ouais, je suis très content de ce qu'on a en armes. Je vais regarder deux secondes si on n'a pas autre chose qu'on pourrait crafter. Ouais, dans la forêt, j'avais dit non, pas besoin. C'est 20 secondes. En fait, j'aime bien parce que 1, 2, 3, 4, moi, c'est ce que je fais souvent. Et après, pour les deux derniers, c'est des trucs qui ont des 60 secondes de recharge. Donc ouais, c'est cool. Par contre, ouais, je voudrais bien le bombardement orbital un peu plus avancé, quoi. Ah, même ça. Moche. J'étais mort. Oh, t'es gros, t'es moche. T'es mort aussi. Très bien.
Ah! Ouais, le tropical, c'est bien d'avoir du, de la résistance. Ouh! Quoi ça? Visée automatique. De la résistance physique. Maintenant, on a de la résistance physique sur nos trucs. Ouais, on a tout et physique. Pour le tropical, c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis en fait qui vous foncent dessus. Donc, bah, ça a du sens. Tout simplement, ça a du sens. Je voulais faire un truc. Ah oui, c'est regarder les mods. Si on n'a pas un peu mieux. Là, on peut mettre du feu. Si on a des mods rouges, en fait. J'ai l'impression que la glace, ça marche plus vraiment, en fait. Je sais pas. On va tester la visée automatique. J'ai jamais testé. J'ai jamais... On va voir ce que ça fait. T'es censé faire quoi? Aller sur la cible? Ah oui, ça, j'ai l'impression que ça dévie, ouais. Ça dévie un peu et ça suit, ouais, j'avoue, je l'ai vu. Mais voilà, sans plus, quoi. Sans plus. Projectile partir. Météorite. Ashley, there is a lot of hazenite in this area. But it is not concentrated enough for my equipment to extract it. We have to search for it elsewhere. Hmm. There's a lot of these bulbous mushrooms growing here. They're feeding off of the hazenite from the soil and crystallizing it in a form that can be harvested. If we could accelerate their growth, then we could extract the hazenite using these natural organisms. We could construct a cultivator in this area to accelerate the growth of these mushrooms. We will need to supply it with filtered water to make it operational. Okay, let's get it done. Ah, c'est là, c'est ici qu'il nous apprend alors à faire les cultivations. Ok. Donc. Oui, 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 c'est vrai que nous on a niveau 2, niveau 3, niveau 2, niveau 3. Il faut de l'uranium. Nickel. Donc station de récolte, station de cultivateur. Donc il nous faut de l'eau. On a de la vase pas loin, on peut en faire de l'eau. Si je dis pas de conneries, on peut en faire de l'eau, la vase. Ça
c'est quoi ça déjà? Ah, le biocomposteur. Produit gain infâme à partir de biomasse végétale. Ah, j'avais oublié ça, comment ça pouvait faire ça. Que... de la vase ou de la boue, c'est ça. Ah la putain. C'est bon ? Good. Putain, trop de bestioles ici. On a tiré par une bestiole. Le machin qui m'a fait sauter le bouclier en un coup apparemment, je crois. Je crois qu'ici, ouais, c'est juste, ils vont nous expliquer comment faire la biocompost, planter des plantes et les récolter. Et je crois qu'après on pourra aller autre part. Ah, mini foreuse rouge, du coup, je crois. Ouais. Une foreuse rouge. Je crois que on est bon. On est au max. C'est quoi ce bruit? Encore des bestioles. Ouais. Putain. Alors, ce qu'on peut faire. Non, pas ça. Très bien. Merde, ça va pas fait.
Voilà. Encore une fois, c'est que de la mission ici. C'est pas de conneries. Donc, Tori, on n'a pas besoin de rester. Si je dis pas de bêtises. C'est juste au cas où. Oui, j'aime bien construire des murs. C'est pas, hein, je vais pas me justifier à chaque fois quand même. J'adore ces murs. Je trouve ça vraiment cool. Regardez-moi comme c'est facile. Regarde-moi comme c'est magnifique. Donc, 54 vases. Ok. Maintenant, on va faire des réserves d'eau. Et après, on peut les faire téléporter. C'est vrai, on pourrait les faire se téléporter. Mais comme j'ai dit, le truc il a l'air un peu bidon en fait. Parce que la téléportation elle est pas énorme. Faut en faire plusieurs en plus. J'aime pas du tout. Ah, je suis super pas fan. Là ça ferait 150. Et le troisième ça ferait 100 d'eau. Ouais non mais le mieux c'est quand même, ça reste... Ça reste quand même... Genre le tuyau quoi. Il n'y a pas mieux que le tuyau. Voilà, on est bien. Allez, c'est parti. Alors. I'm detecting a decrease in wind speed. C'est là. This may affect our wind turbines. C'est là. Pas très loin. The wind is very slow today. Wind turbine efficiency is not going to be that great. Voilà. The cultivator is operational. It will require some time to bring these mushrooms to the size when we can harvest them voilà. In an efficient manner. C'est plutôt cool. We can automate the process of gathering resources ah. By constructing a harvester building close to the cultivator. Et on peut choisir. Excellent. I have a feeling voilà. That we should strengthen our defenses while we're waiting for the growth. C'est vraiment super ce truc. Whenever we try to exploit any of the natural resources on this planet, we get attacked by hordes of aggressive creatures. C'est vraiment super bien fait ce truc. Bon par contre elle a dit qu'on pouvait se faire qu'on allait se faire attaquer. Donc ça par contre c'est moins drôle. Ah, je viens de voir ça.
picking up again. Hey, on se calme. Tu vois un peu les dégâts qui se prennent? 24. Ah non, ils peuvent pas passer à travers. Putain, ça tue. Ah ouais, non, ça tue, hein, ces trucs-là. Ça marche, donc on peut pas les voir arriver, c'est cool. J'avoue, pour les zones comme ça, sans IA, quand on veut pas se faire chier avec les IA, tu mets que des murs comme ça, c'est nickel. Ça fait un peu de dégâts, vraiment. Puis c'est résistant, bon là on a le niveau 3 aussi. Hein. Bon, il marche le cultivateur. Je fais pas vraiment attention. Hein. Oh. Le mec à dos. Nickel, merci. Voilà. Et il me faut ça, parce qu'à chaque fois j'oublie d'en mettre. On a combien construisez, collecteur, collectez l'azimut. L'azimut machin. Bon, je vais mettre un mur là parce que ça me fait un peu peur moi ici. Rien. C'est nickel. Ah, c'est énorme. Maintenant, il faut truc qui récolte. Station de récolte. On peut la mettre juste à côté. Genre là, comme ça. Voilà. Ah, on est en local. Ah oui, non, mais on est en local, c'est normal. J'allais dire, on a que 104. Attends, on est à moins 8. Ah ouais, maintenant, ça pompe de l'énergie. Bah ça, du coup, on peut faire un truc comme ça pour le moment. Et un truc bio aussi. Un des deux, un de chaque. Vague.
moi cette merde là. Waouh, vous n'êtes pas tenu longtemps. C'est bien, c'est que des trucs de corps à corps quoi. Bon, là le courant ça marche. Ça descend vite ou pas? Non, ça va. Ok, le courant ça fonctionne. Protéger le pipeline du cultivateur. Collecter de l'asile 233. Ah merde, peut-être qu'il faut lui dire de quoi collecter à l'autre, au truc. Je crois, ouais. Non. Non, c'est bon, ça collecte. C'est juste que c'est un peu long, quoi. Attends, on voit que dalle. Eh, lumière. Aziz, lumière. On n'est pas la nuit? Non, on n'est pas la nuit. Ouais, non, ça met du temps, c'est tout. Faudrait juste avoir plus de cultivateurs. Bah, je crois qu'on peut arranger ça. Normalement là ça va plus vite. Je sais pas combien de... Putain ça aussi c'est bien parce que maintenant on voit les cercles en fait quand on se met là. Parce que les cultivateurs et récolteurs ça va en ensemble donc on voit les anneaux et tout, ça c'est bien. Je sais pas combien il faut, peut-être 3 stations de récolte pour une station de cultivateur. Il va y avoir 0,3 secondes. Ouais, il faut quand même pas mal de... Putain, mais ça récolte tout et n'importe quoi, en fait. Parce que là, c'est en train de faire de l'azimie, de la biomasse aussi. Oui, de la plante, ça récolte de la plante. Là, il y a du ferromion, donc je sais pas ce qu'il récolte, le machin. Et on peut changer la plante aussi. Ah, bah oui, bah c'est ça, en fait, c'est les 3. Il est en train de faire ça, qui est les 3. Après, on aurait ça... Après là on peut avoir du ferrodonite, on peut avoir ça, ça, ah ça c'est les trucs de DLC je crois, ça je connais pas. C'est vrai qu'on peut avoir tout ça, disponible dans ce biome. On pourrait avoir tout ça déjà. Ouais, on peut revenir à notre quartier général et commencer à faire des trucs comme ça, si on veut. Parce que vous vous rappelez qu'on a quand même énormément de place chez nous. Donc, on peut le faire, hein, si on veut. Ça serait intéressant. Ça nous... Un petit bout de comète a entré dans l'atmosphère très proche de notre position. Il semble qu'il est venu à notre way. Ah merde, on se fait attaquer. Merci la musique, parce que j'avais complètement zappé. It has to bring in something valuable. I am tracking its landing location. We've gathered enough hazelite to start crafting new equipment. Ashley, we can stay here and harvest more minerals, or we can return to our primary objectives. The comet has hit the ground. Ashley, let's go and investigate that area. Mission accomplie. Donc comme il a dit, on peut rester ici ou pas. Le truc, je me demande si on a assez de différentes plantes pour vraiment commencer à faire des trucs intéressants. Enfin si, on a l'azimut, on a ça aussi, le bleu là, le ferdonite. On a aussi le violet, la tanzanite. Là, c'est surtout les cristaux comme ça, là ça c'est vachement bien ces trucs. Ah, il nous faudrait de la rhodonite, mais on a peut-être autre chose qui fait de la rhodonite, on a ça. Ouais, on pourrait faire. Ouais, 3 ça a l'air d'être pas mal, parce que là on commence à avoir des tâches où il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de cristaux. Parce que si la zone est pleine, ça va arrêter de planter en fait, évidemment. Donc 3, j'ai l'impression que c'est potable. C'est quand même 5 drones hein, qui n'arrêtent pas de planter.
Ouais, on peut se casser. Ah, je sais pas quoi faire, moi. On fait tout ça chez nous? Parce que tout ça, c'est... je crois qu'on va pas pouvoir le récupérer comme le cobalt et tout ça. Hein. La zénith, la tanzanite... L'uranium, oui. L'uranium brut, il faut le percer comme le cobalt. Ça, je... si je me rappelle bien, je crois que ça, c'est que les plantes. Du coup, tu m'as rien trouvé d'autre, non? Quartier général. Ouais. On pourrait faire... Parce que vous avez vu qu'on au centre de notre camp, on a quand même des gros trous, hein, où il n'y a rien. Donc, pourquoi pas? Et en plus, j'ai pas recouvert le sol de plaques. Je sais pas si on recouvre le sol de plaques, si ça fait quelque chose, si ça empêche les plantes de pousser. Ça je sais pas, je me rappelle pas. Mais vu qu'on peut pas les enlever, les plaques au sol, je me demande si... Si on se merde pas, en fait, en faisant ça. Donc ouais, on pourrait ou le faire chez nous, ou alors dans un autre biome. Je pense qu'on peut le faire chez nous sans problème. On va voir. On va pas le faire maintenant par contre, parce qu'on est arrivé à l'heure là. Mais on va regarder ce qu'on peut faire déjà, si on a la place et tout. On va voir ça un peu. Alors. Est-ce qu'on a ce problème de lag ici? Ouais, on a toujours ce problème de lag, c'est très bizarre. Ouais, on a un problème de lag ici. Très emmerdant. Peut-être que ça va s'arranger avec le temps, je sais pas. Ouais, non, la zone lag en fait. Je crois que la zone doit charger encore, parce que ouais, non, mais on lag à mort là en fait. On lag à mort. On verra ça. Ouais, on va s'arrêter là, parce qu'on a aussi... Le quartier général a augmenté. Et fais voir un peu la map. Genre là, on pourrait mettre que des plantes si on veut. Là, ça c'est le truc qui va nous permettre d'aller à la fin du jeu là. On a de la boue là, on a de la boue là, ici aussi. Ah, la boue ici. Par contre, je vais aller là et je vais mettre un détecteur là, parce que ça m'embête d'avoir cette forme bizarre là. Donc là, avec la boue, on pourrait faire des réserves d'eau. Là aussi, là aussi. Donc dans ce périmètre, on mettrait que des plantes, en fait. Que des cultivateurs et tout ça. Ça peut être vachement intéressant. Après, on peut utiliser la vase, mais la vase, on l'utilise comme... comme source de... d'énergie. On a trop de trucs qui fait de la vase aussi. Voilà, très bien. Ça va pas vraiment arranger les choses, mais parce que ça c'est pas plein encore. Une fois que ça sera plein, après ça s'arrangera. Mais là on a trop de trucs qui fait de la vase. Qui transforme en gaz en fait. Bon, on va s'arrêter là. Par contre, ça m'embête, c'est ce lag tout le temps, là. Mais je pense que ça va s'arranger après. Par contre... Ah oui, je crois qu'il y a un moyen de voir les autres ressources qu'on a, qu'on récolte. Parce que là, maintenant, on a de la zénith. Tout ça, là. Ouais, ça c'est 4 ressources, c'est par les plantes. Ouais, maintenant je suis certain maintenant. Parce qu'il n'y a pas le. La limite en fait. Donc ça c'est oui, c'est par les plantes. Tiens, on finit ça. Il y a zéro moyen de voir combien on en récolte par minute.
Ça me rend fou, ça. C'est pas dans les options. Genre de l'afficher ou un truc comme ça. Interface utilisateur. Putain, je suis sûr qu'il y avait un truc comme ça, putain. Ça va me rendre fou. Cachette un peu le film. Ouais, je sais pas. Ça m'embête de pas voir. Je trouve ça un peu étrange en fait. Après, c'est pas vraiment les ressources les plus chiantes, mais je voudrais bien les avoir. Y a pas un dépliant, un truc comme ça. Bon, je sais pas, je vais regarder sur Google vite fait. On verra ça. Mais ouais. Par contre, si ça continue à laguer, ça va être bien relou. Mais je vais devoir le faire quand même. Hein. Parce que voilà, quoi, on est un peu obligé, quoi, c'est notre base. Mais par contre, si ça continue à faire ce lag là comme ça, ça va être une catastrophe pour combattre après. Hein. Donc ouais, on va voir. Le prochain épisode, on reste là et on fait les cultivateurs. Ça marche. À la prochaine, portez-vous bien. On va sauvegarder. Ciao ciao.